Eh bien le bonjour, salut à tous, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour... on va pas faire du camping-car. Cette fois-ci, on va faire du bateau. Alors, direction Brest. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la mer. Vous allez voir du bateau. Je crois que le capitaine, il veut pas qu'on le filme. Donc je filmerai pas le capitaine. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, générique. Je zoome, hein. Donc voilà le bateau dans lequel on part. Attends, je dézoome. Voilà, donc c'est celui-là. Voilà, un Oceanis 48. Donc, je sais pas trop, j'ai rien vraiment prévu dans ce film. Donc, comme d'hab, hein, je vais improviser. Voilà, je sais que on va aller sur les côtes bretonnes. Là, bah pas ce soir, hein. Ce soir on va rester dormir ici. Donc là il y a Olivier qui revient. Et puis je sais que j'ai pris le drone. Voilà. De plus près. Pas mal. C'est quand même un sacré bateau. Oceanis 48. C'est quand même sympa parce que là on est vraiment dans les voyages d'Auguste. Il y a le parking camping-car, il y a même un Laika Ecovib 2 moteur Iveco. Et là on tourne un peu et zbim, on a les bateaux. Là, il y a des belles bestioles quand même. Hein. Oh là là. Et puis bah, je sais pas s'ils sont réveillés là-bas. Je vais aller voir. Pas mal là. Donc Brest, hein, Brest City, au loin là-bas, il y a les ponts de Brest, ville bombardée hein, par les anglo-américains, étant donné qu'il y avait pas mal de nazis ici, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Voilà, voilà. Alors voilà, hein, sur un bateau, au port, c'est un peu comme un camping-car quand on est parqué dans un air. Donc ben, y a les bornes électriques. Hein. Donc là en l'occurrence nous on est branché ici et du coup la prise arrive là. Ce qui alimente ben, tout le bateau. Hein. Après pour les instruments de bord, ben là c'est le capitaine qui va faire. Hein. Ça je pense que c'est le propulseur d'étrave. Là il y a tous les compas, les machins, les trucs. Tirant d'eau 2,20 m sur ce bateau. Voilà. Mais je pense qu'on va parier dans pas trop longtemps. Quoi. Allez, c'est parti. Je sais pas quelle heure il est. Il est 10h30, 11h. Donc c'est parti. Appareillage.
magnifique. Donc ce bateau, c'est la Recouvrance. Donc son port d'attache, c'est Brest, alors, c'est ça? Rafale. Ça filme, hein, Charles, alors? Tu perds pas le cap, j'espère. Oh, c'est bon, là, on est sur le 245. 243. D'accord. Et on va où, alors? On va vers le large, là, on sort du boulet de Brest. Et puis, attention, il y a une vague qui arrive, là. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Bon, on va pas hyper vite, hein. On est à 6, 5, 2, ben 6, on est, 5. On est bien là, Valérie se repose, les enfants ouais. jouent. On est pas mal. Et puis Charles pilote à merveille. Vers Morgate. Alors Morgate, c'est derrière Cabaret. Là, tu peux montrer par là. Il y a peut-être trop de vent, hein, par contre. Par là-bas. Enfin, l'objectif c'était de t'interviewer un peu. Alors est-ce qu'il est content d'être sur un bateau? Il est content. Bah, il bosse pas beaucoup, mais il est le capitaine qui fait tout le boulot. Hein. Enfin, sur les voiles, hein. j'y connais rien. Je fais que tenir là-bas. Ah oui, ça y est. Bon bah très bien, bah, on te reprendra plus tard. Allez, hein. On se revoit tout à l'heure. Neuf nœuds. 9 nœuds. Tout à l'heure, j'ai regardé, on était à 9,7, donc on a pas mal accéléré quand même. Là, on a bien pris le vent. J'espère qu'on entend au micro, c'est pas sûr. Je vais me mettre ici. Donc là, ça commence à bombarder. Donc dis-nous, hein, ça tourne bien. Il fait combien de tonnes le bateau? 16 tonnes le bateau, donc c'est pas mal quoi. Hein. Après, on peut monter plus vite hein, évidemment. Mais, Allez, de la bonne vague là. Yeah! Oh yeah! Elle est allongée, elle tient son âne. Genre, j'ai même pas peur. Elle a pas peur? Elle est dans sa chambre? Non, elle est dans notre chambre. Ah, ok. Donc ça va? Pas de mal de mer? Pas encore. Et toi, je te signale que mal de mer, ça. Voilà, ça tabasse. Ouais, ça, c'était pas la meilleure idée de la vie d'Olivier. C'est bon. Devant, je pense qu'il va... Il va prendre cher. Ouais. Il prend cher dans la cabine devant. Voilà, il fallait quelques images quand même de vitesse. Mais c'est pas fini, c'est que le début. On vient de sortir de Brest. Brest est là-bas. Et voilà. Salut le boulet de Brest. Et nous sommes français, donc on navigue avec le drapeau français. Le pavillon français, pardon. Alors du coup voilà, on croise au large de l'île de Béniguette. Et cette île a une particularité, hein, c'est celle que je vous montre là. Donc elle a une particularité, c'est que jusqu'à la fin du XXe siècle, il y avait une usine de ciment. Une usine de ciment, pourquoi? Parce que c'est une plage de sable fin qui est de sable fin et surtout de coquillages qui sont remplis d'une substance, ça s'appelle comment déjà? Le kaolin. Du calcaire, voilà, qui permet de faire de la chaux, donc du ciment. Voilà pour la petite histoire. On peut même voir la bouée qui est là. C'est magnifique. Donc là, on a réduit l'allure hein, parce qu'on était à déjeuner. Et ça va repartir, on a viré de bord. On finit de manger et c'est reparti. Alors, de l'autre côté de l'île de Béniguette, il y a le Conquet. Alors, le Conquet, ça a une particularité,
Vous me dites hein, si je me trompe. Donc c'est un port réservé aux pêcheurs. Donc les plaisanciers ne sont pas les bienvenus. Ils sont pas les bienvenus, sauf vraiment en cas de grosse tempête. Voilà, mais les pêcheurs n'aiment pas trop ça. Donc voilà, le Conquet. Là, cette bouée, je ne sais pas comment elle s'appelle. La rouge. La rouge, voilà, la bouée du rouge. Et puis bah, nous, on va par là-bas. Voilà, enfin... par là-bas. Il est beau le bateau. Enfin, les gréements, hein, super. Hein. Un vieux bateau breton, un vieux bateau de pêche. C'est bon ça. Le monsieur il dit bonjour. Salut les marins. Il est beau le bateau. Hein. Excellent. Alors ? Eh ben voilà, l'Albert et le Luc. Enfin. C'est beau, hein ? C'est beau. Donc voilà, pour vous resituer, donc aujourd'hui, on est parti ici, de Brest. Donc on a fait tout ça. Ici, hop, là j'ai dit un petit mot sur le Conquet. On a tracé et on est arrivé ici à Labert et Dutte. Voilà, et donc voilà, là c'est la Bretagne. Hein. Tac tac tac, Van, vous avez vu des vidéos hein, sur Van. Le bourg 5 minutes. Et puis bah nous on habite là. Ah Naoned, enfin avec Chloé, nous on habite ici. Voilà, à côté de Clisson. Voilà, voilà. Les voyages d'Auguste aujourd'hui en bateau. Arrête! Ça va, vous allez bien là, les guilbeaux? Oui, on est contents, nous. Fais voir ta tête, Bibos. Fais voir la tête. Bon, bah voilà, on a redémarré à la voile. On a coupé le moteur. Enfin, le capitaine, il a coupé le moteur. On a hissé les voiles et c'est reparti vers Brest. Alors voilà l'histoire, il n'y a pas beaucoup de vent, on est vent arrière, donc on a fait une manœuvre. Et la manœuvre, c'est qu'on a croisé les voiles. Croisé les voiles, donc le génois à bâbord et la grand voile à tribord. Et là-bas, il y a l'armée. Il y a un bateau de l'armée qui vient. On va peut-être se faire contrôler. Non. Ah, il y a du militaire. Allez, je vous reprends. Donc,
Voilà, on a continué, hein. Bah, j'étais m'allongé un petit peu, là je me réveille. Et on vient de passer la pointe Saint-Mathieu. C'est ça, hein, c'est la pointe Saint-Mathieu ici. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le Goulet de Brest dans pas longtemps, quoi. Juste après manger. Regardez ça, ces falaises, comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Et les marins sortent le spi. Mais pas nous. Alors voilà, quoi, le voyage touche à sa fin. Là, on va arriver à Brest. Voilà. Donc, t'as passé 2 jours bien ou pas? Oh bah, génial. C'était super. Cool. Carrément. Il est sympa, ce bateau, quand même. Il faudrait être quand même... T'as un truc sur le front. C'est normal, j'ai fait de la paillette licorne. D'accord. Tu veux dire un mot, Jeanne? C'était non. Bien, alors, le bateau? Non, tu veux pas dire. Attends, elle fait du toboggan, alors. Bah oui, mais j'étais en train d'interviewer maman. Alors, dis-moi tout. Bah, je suis toujours embêtée avec cette chaussure, je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup les gens. Les internautes, ouais, non. C'est vrai. Non, bah, j'ai passé 2 jours super, moi j'adore. Hein. Le bateau est magnifique, on est avec des super potes, les enfants, c'est cool. Ouais. Voilà, on est heureux, quoi. Si je pouvais réparer cette chaussure, ce serait bon. Ah, je voulais montrer ça quand le bateau penche. Oh là, on accélère là. Ah, on se rend compte avec le four. Hein. Du coup, le four, non, voilà. Hop, excuse-moi. Bon, bah, je ne sais pas. Le four est pas droit. Tu vas peut-être mettre des chaussures parce que moi, j'arrive pas à mettre ça. Vous voulez des chaussures quand tu vas mettre ça en chaussures? Ah, si tu veux. Tu veux faire ça? Oh. En face, il y a le phare en face. Enlève tes chaussures, je vais les chercher, mais je ne sais pas. Regarde ça. Oh. Alors, toujours camping-cariste ou tu veux qu'on change et puis on s'achète un bateau? Non, en fait, il faudrait que je change de skipper aussi. Bah, ah ouais, parce que quoi, je sais pas naviguer. Si, tu sais naviguer quand il n'y a pas de problème, mais je suis pas sûr que tu saches gérer toutes les avaries. Ouais, mais maintenant, il y a des ordinateurs sur les... Ouais, mais les ordinateurs, ça tombe en panne. Eh bah, ben, je fais 2-3 soudures, j'ai un bac électronique. Ouais, c'est ça, ouais. Non, bah, j'ai un bac électronique. Désolé, je vois pas compris. Camping-cariste. Alors, on reste camping-cariste. Alors, et rousse, voilà. Et on vient sur le bateau avec des gens qui... Attends, t'es devant la caméra, je suis en train d'interviewer maman. Et donc, bon, bah super, vous fournissez ma vidéo. Donc, on reste sur un Laika ou un Itinéo? Un Itinéo, mais si tu gagnes au loto. Ok, ou alors il faut que je gagne un peu mieux ma vie. Voilà. Aussi, tu peux essayer de faire chanteur, crooner et gagner un peu plus d'argent. Ah, ça serait pas mal ça. Bon, allez, j'ai plus de batterie, je vous laisse.
Muscadet, sûrement des chantiers au vin. C'est ma famille. C'est le numéro combien? 74. Je suis le neveu de Paul Aubin. Je suis le neveu de Paul Aubin. Et voilà, donc le week-end en bateau est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Je sais que on n'était pas avec Auguste. Mais sur un bateau sur Dinochat. Mais voilà, hein, les voyages d'Auguste, c'est aussi une chaîne de voyage. Hein, voyage en famille avec les copains. Et bon, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Hein, on fait toujours comme pareil, hein, un petit pouce en l'air. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Quand est-ce qu'on va reprendre le camping-car? Bientôt je pense. Alors les week-ends, ouais, c'est un peu compliqué parce que j'ai des concerts. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, alors moi je suis contrebassiste, donc je bosse le week-end. Alors voilà, je crois que à la fin du mois, courant mois de juin, moi je suis un peu au taquet. Mais voilà, mois de juillet, puis bah, de toute façon, comme tous les ans, on va partir au mois d'août, on ne sait pas où encore. Donc il y aura d'autres vidéos à suivre, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, bon bah ciao. Tu veux dire au revoir? Ciao. Dis au revoir, Clément. Au revoir. Au revoir. Et Jeanne, je crois que le bateau... Ah, Jeanne, elle dort. On l'a eu. Le bateau lâche. Allez, au revoir.